Feu, les papes Jean XXIII et Jean-Paul II seront déclarés saints le 27 avril prochain par le pape François au Vatican. Jean-Paul II fut le premier pape polonais de l'histoire et conservateur. Quant au pape Jean XXIII, il a laissé l'image d'un pasteur rassembleur. Jean XXIII est connu surtout comme le pape du Concile Vatican II. C'est lui qui a su saisir les signes du temps et qui a lancé ce concile de sorte qu'une crise profonde qui se préparait soit désamorcée avant qu'elle n'éclate. En dehors de ça, Jean XXIII est aussi un homme qui, quoique pape, a gardé, comme on dit, les habitudes d'un curé de campagne, c'est-à-dire quelqu'un de très simple, qui était proche des gens et qui avait beaucoup d'amour pour les gens. Jean-Paul II, tout le monde le connaît. C'est Saint-Paul, c'est celui qui a été infatigable pour porter partout la parole de Dieu. Donc, ces deux papes sont vraiment des gens qui ont marqué leur temps, le XXe siècle, et dont on pense, n'est-ce pas, que leur exemple peut servir à d'autres. La canonisation est un rituel suivi par l'Église catholique romaine et les Églises orthodoxes. C'est un processus long qui fait appel à des experts, historiens, théologiens et médecins. Les papes Jean XXIII et Jean-Paul II ont été respectivement papes entre 1962 à 1965 et 1978 à 2005.